My whole life, my father told me stories about moving to the United States. He would tell me that his brother, my Uncle George, was already living here and let my father stay with him for a while. Through my Uncle George, my father was introduced to our cultural organization here in America, who helped him make connections, apply for college, find his first job, and adjust to life in a completely different culture than he was used to. The cultural association helped him get started on his new life. My Uncle George would bring my father with him to the annual Summer Cultural Groups Festival, and later, he would bring me. It was incredible to see so many people of all ages laughing and celebrating with food and song and dance. It brought back the best feelings of home and gave my father the opportunity to pass his culture, language, and values on to me. My father and Uncle George were very close. So when George died last year, my father wanted to honor his wishes to be buried with a traditional ceremony back at his birthplace. My father told me that because Uncle George had cultural group life insurance, he was able to afford to bring George home and have the traditional burial George wanted. Though my father had been able to honor my Uncle George's wishes, it got me thinking about my own family. One day, I'd have to make the same arrangements for my own parents and my wife's parents as well. Of course, we would want to bring them home and honor their wishes, but it would be a financial hardship for our family. There were a lot of things to think about, even though I really didn't want to think about them at all. When my father told me about cultural group life insurance, he told me it's intended to help families when they need it the most. It's not tied to an employer, so no matter where my career takes me, I'll always have coverage. The more people who participate and the younger they are, the more it helps keep the insurance premiums down for the entire association. Because my parents have cultural group term life insurance, there will be money available to help me provide the kind of service I want to give my parents. And by joining, I can put my mind at ease and continue to celebrate our traditions into the future. With cultural group life insurance, I can worry less and spend more of my time celebrating with the people who matter most to me. Bienvenue sur Tempo Africa TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un éminent invité qui est tout nouveau sur ce plateau de Tempo Africa TV. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'ancien ministre d'État de la Défense du président Boni Yayi, le docteur Théophile Yarou, premier secrétaire exécutif des FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Ce soir, nous allons débattre avec cet éminent économiste financier et administrateur de trésor, très avisé des questions politiques, d'une thématique qui fait couler beaucoup d'encre au Bénin, une thématique que nous avons libérée de la manière suivante. Crise au FCBE, Théophile Yarou dénonce la pagaille de Paul Rumpé. Alors, bienvenue, monsieur le ministre d'État, sur Tempo Afrique TV, à travers l'émission Inside Africa. Tous mes hommages, monsieur le ministre. Merci, monsieur Souleymane, et bonsoir. Merci de nous recevoir sur Tempo Afrique TV. Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes très, très honorés et de par votre présence sur ce plateau panafricain. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je précise, chers internautes, que le ministre sera sans langue de bois avec nous, car, chers téléspectateurs, la plupart de vos préoccupations ont été prises en compte à travers nos questions. Alors, monsieur le ministre, comme en tradition, nous allons planter le décor de cette émission et les Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, sont secoués depuis quelques jours par une crise interne. Les divergences sont portées sur la place
public depuis la suspension de trois cadres du parti par le premier secrétaire exécutif national, Paul Humpe, dans un post publié sur sa page Facebook le jeudi 14 janvier 2021, le premier secrétaire exécutif adjoint, Théophile Yann, aujourd'hui, désapprouve la suspension et recommande une réunion de crise. Les deux premiers responsables des FCPE ne parlent plus d'une même voix. Les informations qui ont fuité depuis quelques jours sur les divergences entre Paul Humpe et Théophile Yaou se confirment. Théophile Yaou a publiquement exposé ses griefs contre le premier secrétaire exécutif national suite à sa décision de suspension de Christine Begui, Clément Koutadé et Prosper Adoukonou. Selon Théophile Yaou, il s'agit d'une décision unilatérale qui révèle à suffisance une manœuvre dictatoriale perpétrée par le secrétaire exécutif national pour imposer son plan de bradage du parti. Dans son désaccord avec son ancien camarade de lutte, le docteur Théophile Yaou a martelé que les FCBE ne sont pas capables de gagner la présidence d'avril prochain. Par conséquent, il vaut mieux laisser tomber, a martelé sur Orban FM le ministre Théophile Yaou. La réplique n'a pas tardé à venir du secrétaire exécutif national du même parti, c'est-à-dire Paul Humpe, qui a répondu par presse interposée à son adjoint Théophile Yaou que les FCBE comptent sur les populations pour assurer l'alternance en avril 2021. Alors, monsieur le ministre, votre réaction très motivée à ce décor que je viens de planter avant de rentrer dans le vif du débat. Alors, monsieur le ministre Théophile Yaou, et votre réaction et par rapport à ce décor. Merci beaucoup et je vous remercie encore une fois. C'est un très bel décor, mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. Je ne suis pas encore docteur, je suis administrateur, même si je suis doctorant à l'Université africaine de développement coopératif, je n'ai pas encore soutenu ma thèse. C'est donc ça. Ça, il faut rectifier. Merci beaucoup. Le reste, c'est bon. Et le décor aussi tel que planté, je pense que ça prend en compte tous les griefs quand même que nous avons exposés et tout le sujet pour lequel nous sommes là ce soir. Je pense que ça fait un grand résumé de cette crise au sein de notre parti politique. Et j'espère qu'avec les questions qui vont suivre, on va essayer donc de clarifier les choses de manière à faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale ce qui se passe exactement au sein du parti. Merci beaucoup, monsieur le ministre, comme on le dit, un doctorant est déjà presque un docteur, mais de toute façon, le problème ne se pose pas. Et merci quand même pour la rectification et cette honnêteté quand même intellectuelle. Merci. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe dans la famille FCBE, les Béninois et surtout la diaspora et les nombreux internautes veulent savoir au fait qu'est-ce qui se passe dans cette famille FCBE qui a, en tout cas dans un passé récent, a marqué vraiment la vie politique de ce pays appelé le Bénin. Merci beaucoup. Je pense qu'il se passe au niveau de notre parti politique ce qui pourrait se passer dans n'importe quelle formation politique à l'approche ou à l'occasion du choix des candidats pour les élections, que ce soit élection présidentielle, législative ou locale. Donc, à l'approche donc, de ces échéances, il y a toujours quelque chose, des divergences, des guerres de leadership, etc. Je pourrais dire que c'est ça qui se passe en ce moment au niveau du FCBE. Mais, je dirais encore plus qu'il se passe plus que ça au sein du FCBE. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes obligés de porter à la place publique ce qui devrait être géré à l'intérieur du parti. C'est ça. Ça marche, mais nous sommes obligés de faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, d'accord, nous allons
et rentrer toujours dans le débat. Et vous accusez votre collègue, ancien collègue, on peut le dire, Paul Rumpet, d'être coupable de plusieurs infractions à travers ses agissements considérés par vous comme des infractions proscrites par les tests du parti. Alors, vous faites allusion à quelle infraction, monsieur le ministre? Je fais allusion à plusieurs infractions. D'abord, la gouvernance du parti. Et vous voyez que depuis que nous avons fini les élections communales, il a toujours fallu forcer la main au secrétaire exécutif national pour qu'il convoque une réunion du bureau exécutif national ou une réunion du bureau politique. Lui devrait se réunir tous les mois. C'est ça. De façon ordinaire. C'est ça. Mais nous avons observé une léthargie, mais une léthargie consciente, parce que ce temps permettait à notre secrétaire exécutif de monter un peu, comme je l'ai dit, de déstabilisation du parti. C'est ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, infraction, c'est que vous devez constater que, et ça, c'est proscrit par les articles de notre règlement intérieur, une campagne de dénigrement contre les militants ou les leaders FCBE. Comment vous pouvez comprendre que le premier responsable d'un parti politique recrute dans les réseaux des jeunes qui sont chargés tous les matins de dénigrer, d'insulter les leaders du parti sans aucune raison, simplement parce qu'on pense que le leader pourrait éventuellement se porter candidat. C'est pas normal, même si, comme vous l'avez dit, il est le premier secrétaire exécutif national et que peut-être, naturellement, ce devrait être lui qui porterait le flambeau du parti. Il n'avait pas besoin d'organiser, de recruter des jeunes dans les réseaux sociaux qui vont dénigrer, vilipender les responsables que nous sommes, des enfants qu'on pourrait mettre au monde, qui tout le temps passent leur journée à insulter, moyennant quelque chose. Ça, c'est d'abord proscrit. Ça fait partie des infractions qui sont passées de l'institution. Mais je pense que le gros problème de notre secrétaire exécutif national, c'est qu'il ne lit pas les textes de notre parti politique. Parlons de lecture, mais je pense que c'est beaucoup à travers cette lecture que M. Paul Rumpet s'est beaucoup révélé, au public béninois. Enfin, ça, c'est une autre parenthèse. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je pense quand même qu'il doit faire un effort de lecture, ne serait-ce que le règlement intérieur de notre parti, pour lui éviter de poser des actes qui pourraient le rattraper demain. Aujourd'hui, peut-être il se sent en position de force parce que soutenu dans son élan dictatorial par un certain nombre de personnes, mais demain, les rapports de force pourraient changer. Et on pourra à tout moment revenir sur les infractions qu'il a eu à commettre au moment de l'exercice de ses fonctions de secrétaire exécutif national. C'est ce que j'ai voulu dire. Et vous voyez que, par exemple, allez-y, dans le parti, nous avons fait confiance au secrétaire exécutif national en lui confiant cette fonction, cette haute fonction au sein du parti. Mais certains même sont pas à lui seul. Mais certains même sont allés dire que c'est grâce à vous qu'il a été et premier secrétaire des FCBE. Tout à fait, même s'il ne le reconnaît pas aujourd'hui, c'est bien la réalité. Mais je ne m'en vante pas non plus. Mais ce que je dis, c'est que lorsque vous faites confiance à quelqu'un, que vous lui confiez une mission, et qu'il abuse de cette confiance, c'est une infraction commise. Et c'est prévu aussi par l'article 128 de notre règlement intérieur. C'est ça. Alors, aujourd'hui, le secrétaire exécutif national seul ne peut pas décider d'engager le parti dans une compétition électorale. Il ne peut pas. Même s'il est soutenu par quelques membres du bureau exécutif national, il aurait fallu, lorsqu'il s'agit d'une grande décision, d'une décision aussi importante, que le secrétaire exécutif national convoque le Conseil national pour que le Conseil nous donne le quitus au bureau exécutif national d'engager le parti dans une compétition électorale. Nous avons maintes fois réclamé la convocation du Conseil national et rien n'y fut jusqu'à présent. La preuve, je peux vous fournir des documents de planification où nous avons prévu la tenue du Conseil national avant le mois de novembre 2020.
Mais ce Conseil national ne s'est jamais tenu. Donc, tout cela, et ça fait partie des infractions, en tout cas des manquements à nos tests que je reproche au secrétaire exécutif national. Donc, j'aurais voulu que la gouvernance du parti s'appuie sur les tests que nous sommes librement donnés. Mais malheureusement, je ne sais pas sur quoi repose cette gouvernance qui consiste à venir nous imposer des dictats et puis on est obligé de se taire. Mais on ne peut pas se taire parce que nous sommes dans un parti politique et le parti appartient à tous les militants, y compris le militant lambda qui est dans un village qui tous les jours se bat pour défendre les intérêts du parti au niveau de son village. Donc, monsieur, c'est ça, il doit comprendre cela. Ouais. C'est ça. Donc, avant de revenir aux autres griefs, la tendance du Béninois, et dans sa quasi-totalité, se dit que, bon, même nous n'allons pas revenir sur le passé qui a amené, en tout cas, Paul Rupert pour être pratiquement le premier responsable du parti. Mais cela était pratiquement une surprise, parce que, bon, on sait que vous êtes pratiquement, tout le monde vous attendait, mais quels sont les critères qui vous ont pratiquement poussé à désigner Paul Rupert comme quand même le patron d'un si grand parti comme la FCBE? C'est toute la question que les Béninois se posent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, vous avez parfaitement raison, mais il faut tenir compte du contexte. Le contexte était que nous fournissons les pièces demandées par le ministère de l'Intérieur pour avoir le récépissé. La licence légale du parti. C'est ça. Et au moment où on demandait à Paul Rupert d'assumer le rôle de secrétaire exécutif national, on lui avait déjà dit que une fois le récépissé obtenu, et après avoir passé le cap des élections locales, c'est-à-dire et communales, on passerait à un congrès. C'est ça. Qui allait revoir tout. Et son mandat devrait durer 6 mois. C'était expressément comme ça, on lui a dit. Mais pourquoi lui? J'aurais pu, malgré ça, assumer cette transition. Absolument. Mais pourquoi lui? Parce que moi, je faisais déjà objet d'attaques où on me soupçonnait de livrer une guerre de leadership à mes collègues qui sont à l'extérieur. Les Tchernoutins, les Comités Foutiers. Les Comités Foutiers, les Tchernoutins. Je voulais profiter de leur absence pour m'accaparer du parti. Je voulais tout simplement montrer que je n'étais pas aussi assoiffé du pouvoir qu'on pouvait le croire. Et j'ai demandé que l'on puisse mettre Paul Rupert à cette place. Pour, entre autres, respecter la logique de Parakou. Parce qu'à Parakou, effectivement, moi-même, j'étais candidat pour être secrétaire exécutif national. Mais le président d'honneur, à l'époque, m'avait demandé de retirer ma candidature pour assurer un certain équilibre régional. Et étant donné que lui, président d'honneur était de la région septentrionale, il fallait que quelqu'un de la région méridionale puisse venir automatiquement après lui. C'est ça. Ce que j'ai cité sans discuter les instructions du PH. Alors donc, c'est la même logique qui m'a amené pour dire, d'accord, et il faut le mettre là, sinon les autres continuent pas à dire Yarou a fait un coup d'État, Yarou a soifé du pouvoir. Donc, j'ai voulu éviter cela, mais malheureusement, je dirais malheureusement, le reste, je ne vais pas continuer. D'accord. Absolument. Voilà. C'est très important, hein, une très bonne clarification, parce que c'est pratiquement une interrogation qui taraude, j'allais dire, la plupart vraiment de nos compatriotes. Alors, toujours dans la même lignée de questions, vous êtes allé plus loin pour dire que plusieurs autres faits peuvent lui être une reprochée, notamment la rétention d'informations qui affectent le parti. Vous précisez dans ce cas pour dire que Paul Rupert n'a pas rendu compte au BEN des négociations autour du parrainage. Par exemple, parlez-nous de ce qui semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bien, je voudrais situer d'abord les téléspectateurs ou ceux qui nous écoutent. Avant de dire ce que j'ai dit, de lui reprocher, il faudrait que je rappelle que nous avions tenu
une réunion du bureau exécutif national pour un mois de septembre. Et nous avons décidé au cours de cette réunion que si on devrait aller aux élections, parce que déjà à cette époque, déjà on commençait par douter de notre participation aux élections parce qu'on ne réunissait pas le nombre de parrains qu'il fallait. Alors, s'il fallait donc engager le parti dans la course présidentielle, comment négocier, comment trouver les parrains. C'est ça. Et ensemble, nous avons dit, il faut négocier les parrains. C'est ça. Alors, nous avons commencé la négociation de ces parrains. Mais jusqu'en novembre, décembre, janvier 2021, le secrétaire exécutif s'est refusé de rendre compte de la suite des négociations au bureau d'exécutif national. Je venais de vous dire que difficilement, il convoque les instances du parti. C'est ça. Pour ça, alors que moi, j'ai participé à des négociations. Et je sais les conditions qu'on nous a posées. Il fallait donc que ce compte rendu soit fait au bureau exécutif national pour qu'ils disent, oui, il y a des gens qui sont disposés à nous fournir des parrains, mais sur des conditions, et voici ces conditions, le bureau exécutif national allait apprécier les conditions que les gens nous imposent avant de nous demander de nous donner des parrainages. C'est au bureau exécutif national qui revient de prendre la décision de continuer ou de ne pas continuer la négociation. Voilà ce que j'ai reproché à mon secrétaire exécutif national. Maintenant, donc ça veut dire que, au fait, parce que quand on dit, parce que la tendance hein, du peuple, c'est quoi? C'est qu'il y a des négociations en ce qui concerne les parrains où le bureau n'était pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'il y a eu des transactions au niveau des parrains sans que, de façon unilatérale. Est-ce que on peut dire que c'est ça? Non, pas de façon unilatérale. Je vous ai dit, au cours de la réunion de septembre, il a été demandé que nous puissions négocier le parrainage. Nous avons commencé la négociation. Les gens nous ont posé des conditions. Alors, et le secrétaire exécutif national se refuse de rendre compte des conditions que les gens nous ont imposées. Mais il décide de donner suite. Et disons aux conditionnalités qui nous ont été imposées. Alors, monsieur le ministre, quelles sont ces conditionnalités? Vous permettez que je ne puisse pas à l'instant vous dire, pour l'instant, vous dire les conditionnalités. Mais je voudrais quand même que l'opinion retienne que les conditions étaient telles que ça nous enlevait notre dignité au sein du parti. Il y a un groupe. De cadres du parti qui ont décidé malgré tout d'avancer. C'est ce qui m'a amené à dire dans une de mes publications pour dire que nous avons accepté le principe du parrainage. C'est ça. Mais nous n'avons pas eu le nombre de parrains qu'il faut. C'est ça. En principe, on devrait s'abstenir de participer à cette élection. C'est ça. Mais le bureau exécutif national réuni en septembre a décidé d'engager le parti dans une négociation de parrainage. Si les conditions sont favorables, on participe. Mais si les conditions ne sont pas favorables, on s'abstient. Mais les conditions que les gens nous ont imposées sont-elles favorables ou défavorables? C'est là la grande question. Et c'est ce compte rendu qui n'a pas été fait. Et c'est cette participation à la prise de décision des instances du parti qui n'a pas été faite, et la décision a été prise par un groupe que moi-même j'ai créé, qu'on a appelé le groupe G10. Voilà, nous allons revenir sur ce fameux G10 qui est devenu G11. Mais alors, monsieur le ministre d'État, mais pourquoi toutes ces charges maintenant à quelques mois, j'allais dire quelques semaines des élections présidentielles, ça dit, il y a eu pratiquement tous ces griefs par rapport à ce timing. Est-ce que c'est parce que votre stratégie n'a pas marché ou
ce n'était pas, vous avez été surpris, you know, par rapport à votre you know, ami, you know, d'hier. Pourquoi maintenant toutes ces charges contre Roupé et pratiquement son clan? Nous avions, pendant tout le temps que le parti était en léthargie, que les négociations, que le secrétaire exécutif national enfreignait les dispositions du règlement intérieur, nous avons à tout moment relevé et notifié au secrétaire exécutif national qu'il s'agit des manquements à nos tests. J'ai fait ces reproches-là plusieurs fois. Même ceux qui aujourd'hui soutiennent cela, lui ont reproché ça plusieurs fois. Certains même ont failli en venir aux mains avec lui par rapport à sa manière de gérer le parti. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Je suis arrivé à en parler publiquement aujourd'hui parce qu'il a pris, alors que lui, il est le premier à fouer les dispositions du règlement intérieur, il prend de façon unilatérale des sanctions contre trois camarades qui n'ont fait qu'informer l'opinion publique sur ce qui s'est passé au cours d'une réunion. Absolument. Ça, ce n'était pas une infraction, ce n'était pas une faute lourde qui mérite une suspension. Et nos textes sont clairs là-dessus. Voilà. Donc, de leadership. Mais en revanche, j'ai constaté de façon constante depuis 7 mois aujourd'hui, sinon plus, depuis 8 mois aujourd'hui, après les élections communales, une campagne médiatique contre le ministre d'État Yaro Sofi, qu'on a présenté dans toutes ses facettes, je ne sais pas. Mais je n'ai presque jamais répondu à ça. C'est ça. Parfois, il y a des parents, des amis, des enfants qui réagissent, qui font des droits de réponse, mais c'est remarquable. C'est depuis 8 mois, on s'occupe d'une seule personne. Un échange. On dit qu'il a soifé du pouvoir, alors que l'intéressé n'a pas fait une déclaration de candidature. On dit qu'il veut coûte que coûte être président de la République, alors qu'il n'a pas dit qu'il est candidat. Mais, franchement, je n'ai pas compris qu'est-ce qui a pu. Et c'est aujourd'hui, justement, que je comprends. J'ai compris pourquoi on a mis en place cette stratégie de dénigrement, cette stratégie de destruction. C'est ça. On arrivait à ce que nous sommes en train de voir. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que Paul Roupé estime peut-être qu'il lui revient de droit d'être le candidat naturel du parti, du fait qu'il est le plus responsable, alors que vous, vous estimez que, bon, vous êtes le plus titré, intellectuel bonté, et que, bon, qu'on le veuille ou pas, vous détenez un fief électoral. Est-ce que ce n'est pas pratiquement, you know, cette grief-là qui justifie ce lynchage dont vous avez parlé parce que vous êtes quand même un vétéran dans ce parti. Je pense quelque part que c'est peut-être ça, mais je voudrais dire quand même que ni lui ni moi,
n'avons pas le droit, là, c'est-à-dire, nous n'avons pas le privilège exclusif d'être candidat au sein du parti. N'importe qui au sein du parti peut être désiré candidat. Ça, c'est nos tests qui le disent. Mais pour désirer un candidat, il faut mettre en place des critères objectifs. Par exemple, dans ces critères objectifs, nous, nous avions souhaité que, puisque nous n'avons pas le nombre de parrains qu'il faut et que nous avons 6 maires, qu'avant d'être candidat à la candidature au sein du parti, il faut se faire au moins parrainer par 2 de ces maires. Mais c'est ça qui nous a fait la guerre, c'est ça. Pour ça, pour avoir dit ça, Yarou veut détruire le parti. C'est ça. Comment vous pouvez présenter un candidat qui, déjà à l'intérieur, ne peut pas obtenir le parrainage de ses propres maires, c'est ça. Mais qui pense pouvoir en obtenir ailleurs. Donc, absolument. Le secrétaire exécutif national et ses amis aujourd'hui l'ont rejeté immédiatement parce qu'ils se disaient que Yarou sait qu'il peut avoir d'office de maire, c'est pour ça qu'ils ont introduit ce critère, on l'enlève. Ils l'ont enlevé. C'est ça. Les autres critères, ils n'ont même plus appliqué ces critères. Aucun critère n'a été appliqué. Absolument. Aucun comité n'a été mis en place pour opérer la sélection. Le secrétaire exécutif national seul, peut-être avec ses amis, ont décidé de désigner ce que vous savez, et puis nous allons revenir sur ça abondamment. Mais toujours dans cette lancée, monsieur le ministre, Paul Moukpa, au fait, n'est pas le seul auquel vous êtes confronté au sein du parti. Et on a vu et a vécu, et nous avons vécu à travers les réseaux sociaux cette guerre fratricide que vous livrent les autres au sein du parti, comme l'ancien maire Aboubacar Yahia, qui a étalé tout sur la plate publique vous concernant. Réagissez à ce comportement, en tout cas qui ne vous honore pas, pour avoir vraiment occupé les plus hautes fonctions de la République, monsieur le ministre d'État. Ça, je pense que la diaspora, la communauté, vraiment avait soif de vous entendre sur ce qui s'est passé vraiment sur la toile, et vraiment des choses qu'on ne pouvait pas dire, se disait. Votre réaction par rapport à ça? D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas compris la réaction de mon collègue. C'est ça. Je n'ai pas compris parce que je ne sais pas ce qui a pu provoquer en lui cette rage, mais je n'ai pas voulu répondre. C'est ça. Et là, maintenant, je peux peut-être, je ne lui réponds pas, mais je peux au moins dire un certain nombre de choses. C'est ça. Pas pour répondre forcément à mon collègue, parce que j'ai pris la décision sur moi-même de ne pas répondre à ça. C'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que il a décrit un personnage qui ne s'appelle pas Yarou Théophile. C'est ça. Donc, si ce n'est pas Yarou Théophile qui l'a décrit, je ne vois pas pourquoi je lui répondrai. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas répondre. C'est ça. Et je voudrais quand même dire que la seule chose que j'ai eu à faire qui pourrait peut-être justifier sa réaction vis-à-vis de moi, c'est quand j'ai écrit formellement au secrétaire exécutif national de retirer sa candidature. C'est ça. Parce que lui, secrétaire exécutif national, seul a décidé que ce soit seulement les membres du bureau exécutif national qui puissent être candidats à la candidature du parti. Et sur cette base, ils ont éliminé une candidature. Or, mon collègue n'est pas membre du bureau national. C'est ça. Et j'ai vu sur la liste publiée par le secrétaire exécutif national, je ne sais à quel moment et par qui cette liste a été arrêtée. J'ai vu le nom de mon collègue. J'ai écrit de façon administrative, sous simple privé, c'est-à-dire sur enveloppe, et j'ai sous plus fermé, que j'ai envoyé au secrétaire exécutif national. C'est ça. Compte tenu des critères que vous-même vous avez arrêtés, vous devrez pouvoir retirer sa candidature pour rester au moins impartial par rapport à l'appréciation des critères. C'est ça. C'est toute la... Peut-être, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais j'ai entendu des choses. Ah, beaucoup. Des choses beaucoup. Horribles. Ah, beaucoup. Horribles. Mais beaucoup. Ce qui peut me gêner, c'est que quand on ne connaît pas Théophile Yarou, on peut croire à tout ça. C'est ça. Mais quand on connaît Théophile Yarou, depuis son enfance jusqu'à maintenant, on ne peut pas croire à un seul ce qui a été dit. C'est ça. Voilà ce que je peux répondre. Cela, j'ai toujours travaillé pour construire ma dignité. Et eux-mêmes, lors des négociations de parrainage,
À chaque fois que je parle de dignité, ils m'ont toujours dit, de quelle dignité toi tu parles tous les jours? Je dis, ah, de ma dignité. Pourquoi toi tu t'accroches trop à ta dignité? Donc, depuis mon enfance, j'ai travaillé pour que je sois un personnage, que ce soit une personne publique, une personne privée, mais une personne digne, digne du nom qu'il porte, digne de ses enfants. C'est ce à quoi j'ai travaillé. Et c'est pour ça, même dans ma gestion, depuis que j'ai commencé par travailler, ça fait 23 ans aujourd'hui que je travaille, j'ai toujours des satisfactions, des félicitations à tous les postes que j'ai parcourus jusqu'à présent. Tout simplement parce que je pense à soigner mon nom, je pense à être exemplaire, et c'est ce que j'ai fait juste. Dans ma vie privée, je n'ai jamais, jamais, jamais enfreint à des règles naturelles. Parce qu'il y a des règles qui sont des règles naturelles. Qu'on ne fait pas. Par exemple, en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je respecte ces règles naturelles. C'est ça. Les autres accusations, je pense que moi, je fais grâce à mon collègue de tout ce qu'il y a. Mais quelles sont vos relations en ce moment? Vous vous appelez et... On ne peut pas, je ne sais pas, je crois peut-être ça va prendre du temps. Moi, je ne suis pas de nature rancunière, je ne suis pas rancunier. Je pardonne, c'est ce qui a fait que j'ai toujours tenu jusqu'à présent. C'est ça, donc vous le pardonnez. Je pardonne. Je ne m'occupe même plus de ça. Même dans ma famille, les gens disent, mais comment, quel courage tu as à oublier des choses aussi graves. Je dis, ces choses ne sont que des choses d'ici-bas. Ça n'a pas d'importance parce qu'on on vit un temps, on disparaît. Donc, tout ce que tu rencontres dans la vie, tu gères et puis tu avances. L'essentiel, c'est d'avancer. Donc, voilà ce que je pense de ce qui a été. Alors, est-ce qu'il y a une guerre fratricide? Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il a quelque chose contre moi? J'en sais rien. Mais je lutte toujours pour la justice et la liberté. Et je serai toujours aux côtés de ceux qui luttent pour la justice et la liberté. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vraiment, je pense que c'est très bien, c'est de la hauteur, hein, c'est de la hauteur parce que à travers vraiment ce que je peux appeler ce lynchage vraiment est très fracassant, hein, ce que nous avons entendu, et ça a parcouru toute la toile, vraiment pour le poste, je parle des deux côtés, hein, que monsieur Yaya a occupé, tout ça. C'était pas du tout bien, en tout cas pour la jeunesse et pour une nouvelle génération, vraiment de suivre le pas, hein, de leur aîné, de ceux qui ont quand même eu à exercer le pouvoir d'État, hein, à un haut niveau. Et je pense que votre explication, en tout cas, est beaucoup plus à la hauteur, hein, de votre personnalité. J'en suis vraiment désolé, c'est pourquoi. J'ai dit, partout les gens m'ont demandé de leur fournir un audio que j'ai fourni. Je n'ai pas fourni d'audio, je ne fournirai pas d'audio. Absolument. Je ne répondrai pas. Absolument. Mais malheureusement, il paraîtrait qu'il a dit que j'ai fait un audio, mais moi, je n'ai jamais fait d'audio. Je ne ferai jamais d'audio. Bien sûr. C'est ça. Et il faut remarquer que depuis ma fonction de ministre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais invectivé. C'est ça. Malgré tout ce qui a été dit de moi, Yaru est un traître, c'est la honte. Je n'ai jamais répondu par des injures. C'est vrai. J'ai toujours essayé de dire ce que je fais, c'est parce que je pense que c'est ça qui est bien. Je peux me tromper, comme tout le monde. C'est ça. Mais je ne me fais jamais à invectiver, à insulter directement quelqu'un. Ce n'est pas de ma nature. Ce qui fut ma nature, parce que j'ai fait Candy, hein, j'ai fait tout mon primaire à Candy. Absolument. Si vous faites tout votre primaire à Candy, vous devez apprendre à vous battre. Mais dès que j'ai eu mes 18 ans, depuis 18 ans, je ne me suis plus jamais battu. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, monsieur le ministre, nous allons parcourir cette question très rapidement avant de revenir aux G10, mais je pense que c'est mieux de plonger dans les méandres du G10 d'abord. Alors, monsieur le ministre d'État, parlons-en alors. Il ressort de certaines indiscrétions que l'origine de cette crise, au fait, est amenée au départ par le G10 et un noyau très fort au sein des FCBE,
et qui est devenu plus tard le G1 avec l'arrivée du maire Yaya. Donc ça veut dire que le maire Yaya n'était pas, à l'entame, au sein du G10. Donc après ce G10 est devenu G11, un groupe qui a fini par faire le consensus, ce qui est quand même paradoxal, autour du doyen Dash Diemba pour être candidat du parti avec Paul Houpekon colistier. En effet, au départ, vous étiez 5 candidats à vouloir être candidat, à savoir vous-même, le maire Yaya, M. Diemba, Idrissou Bako et Paul Houpekon. Donc, mais pas une alchimie qu'ils connaissent, ou en tout cas qui est propre au niveau du G11. Tout le monde a désisté au profit du vieux Diemba à cause de la rivalité qui existe entre vous et le maire, à en croire vos anciens alliés d'hier. Est-ce que ce n'est pas au fait ça la raison pour laquelle vous êtes désolidarisé du G11 qui constitue pourtant le noyau du des FCBE, et c'est vrai, et que vous aviez initié et pour maintenant solliciter l'arbitrage de la base et des instances du parti, pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est extrêmement important. Je vous donne pratiquement trois minutes pour vraiment éclairer les téléspectateurs sur vraiment ce fait. Et parce que toute la question se tourne autour du G11. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est vrai, le G10, comme dans toute organisation, est un groupe, est un noyau. Ça. Hein? C'est un groupe de réflexion qui anticipe sur les événements, sur les activités du parti, et qui s'est fixé comme objectif de peser sur l'orientation, sur, disons, les stratégies, les orientations du parti. Ce groupe, comme vous l'avez dit, était à la base de l'action. Tout simplement parce que l'obtention du récépissé, au départ, le projet de l'obtention n'a pas fait l'hypothèse d'une éventuelle cassure du parti. C'est ça. Il n'était pas prévu que FCBE soit scindé en deux comme ça a été fait. Donc, c'est ça vraiment la surprise. Donc, c'était dans l'hypothèse que le parti reste entier. Il fallait au sein de ce parti avoir un groupe homogène de réflexion qui réfléchit et qui donne des avis cohérents sur les sujets d'actualité, les sujets de gouvernance interne du parti. C'est ça. Maintenant, avec la cassure du parti, le G10 s'est retrouvé un peu comme le noyau dur et même un noyau assez trop gros. Parce que le reste du bureau national, ce qui nous reste aujourd'hui, ne dépasse pas 25. C'est pratiquement ça. 23. Si dans 23, il y a un groupe de 10, ça veut dire que le groupe est assez représentatif pour prendre des décisions. C'est ça. Mais ce que j'ai voulu faire comprendre aux collègues, c'est que le G10, quelle que soit son importance, ne doit pas remplacer les instances officielles et formelles du parti. Voilà, ça, c'est la dichotomie, ça. Voilà. Le G10 ne doit pas se substituer au bureau politique et au bureau exécutif national. Et il s'est fait que pratiquement toutes les décisions se prennent au niveau du G10 et s'appliquent automatiquement sans passer par les instances officielles du parti. Ça, c'est d'abord la première remarque que j'ai eu à faire. J'ai dit, bon, ce que nous faisons, c'est bon. C'est bien d'être en groupe, c'est bien, mais nous devons quand même faire en sorte que ce soit les instances formelles et officielles du parti qui endossent ou qui entérinent les décisions du parti. Le G10, 10 au départ et 11 après. Le camarade, collègue Aboubakar Yaya n'est venu qu'il y a peut-être un mois dans G10. Ah, absolument. Peut-être. C'est très récent. Je constate que vous êtes vraiment informé parce que je ne savais même pas que vous étiez au courant de ce G10, devenu après G11. Je vous ai vraiment très bien informé. Donc, merci. Je suis obligé de vous dire ce qu'il en est exactement. Merci beaucoup. Il est venu bien après les élections communales et même n'a pas été accepté. Ça. Si vous posez individuellement à chaque membre du G10,
vous leur demandez qui a accepté, qui a fait venir le ministre Aboubakar Yahia, ils vous diront que c'est le ministre Théophile Yaou. C'est vrai. Et peut-être, à la limite, je confirme. Amadou Issifou. Oui. Toutes nos investigations sont allées dans ce sens. Ça, c'est vrai. Bien. Parce que j'ai pensé qu'il peut apporter également quelque chose à la réflexion. Ça. Mais c'est, disons qu'on a voulu aujourd'hui que le G10 représente le parti, et j'ai dit ce n'est pas possible. La décision du choix du duo. D'abord, le G10 décide que les candidatures ne doivent pas sortir du G10. Je dis, je ne suis pas d'accord encore. Parce que le G10 n'est pas le bureau politique, n'est pas le bureau national. On dit, au sein du G10, il faut des candidatures. Mais contrairement à ce que vous dites, au départ, il n'y avait pas 5 candidatures. Au départ, il y a 2 candidatures. D'accord, d'accord. Paul Humpin et le ministre Théophile Yaou. C'est ça. C'est pour c'est ça. Éliminer le ministre Théophile Yaou. Des candidatures ont été suscitées. Ça, il faut être clair. C'est ça, c'est ça. Vous avez vu, des gens sont passés, ils ont dit telle personne peut être candidat, tel autre peut être candidat. C'est ça. Dans nos localités. C'est ça. Donc, c'est après ça que des gens ont dit nous pouvons être candidats. C'est ça. Et quand j'ai dit non, on ne peut pas limiter la candidature au sein du G10. C'est ça. Certains ont compris que c'est peut-être parce que je ne voudrais pas, un, être éliminé de la course. Deux, je ne voulais peut-être pas prendre un colistier au sein de G10. Ils l'ont même dit quelque part, ce qui est faux, c'est ça. Évidemment. C'est ça. C'est ça. Alors, la manipulation. C'est ça. Il y a eu beaucoup de manipulation. Et il y a un groupe qui s'est ligué contre la candidature de Théophile Yaou. Pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer. Oui, mais monsieur le ministre, c'est que oui. Il paraît que c'est vrai, je confirme que au départ, c'était deux, hein, c'était pratiquement monsieur Paul Humpin et votre personne. Et bon, tout le monde savait qu'il n'y avait pas match, c'est-à-dire que ce n'était pas possible. Donc, tout le monde vous annonçait le candidat, en tout cas, légitime des FCBE. Donc ensuite, c'est vrai, on ne sait pas par quelle alchimie. Bon, tout ça, là, c'est des stratégies politiques. Donc, il y a eu 5 ans. Et maintenant, puisque cette guéguerre entre vous et Aboubakar Yahia existait, donc, si ce n'est pas stratégie, l'histoire va nous le dire. Mais tous, maintenant, se sont désistés et le vieux Djemba en tant que est très rusé donc vient et maintenant les autres se disent que mais sur 5 contre 4 donc ils ont la majorité donc et vous disiez non et comme vous l'avez dit que il faut repartir aux instances du parti pour quand même déterminer ce choix donc eux ils se disent que si vous étiez par exemple choisi par le groupe G11, donc vous n'allez plus poser et ce concern, en ce sens de vouloir aller vers les instances du parti, puisqu'il y a déjà, et c'est vrai, un comité de critères de désignation. Ouais, donc c'est un peu ça. Et j'aimerais que vous puissiez clarifier, cela. D'abord, il faut dissocier. Disons le rejet ou tout ce qui s'est passé contre moi pourrait exister entre moi et Aboubakar Yahia. Parce que je viens de vous dire, l'arrivée de Aboubakar Yahia est récente. Fait quelque chose, mais de façon consciente, je ne suis pas au courant d'une quelconque guéguerre entre lui et moi. Alors, et ça, il faut donc dissocier ça. C'est ça, merci. Maintenant, avant qu'il n'arrive, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Et comme vous l'avez dit, le doyen, notre cher papa Djemba, avant que je continue de continuer pas croire que je pourrais être candidat, il a fallu d'abord que j'aille voir le grand frère, le tonton, le papa, pour lui dire, papa, ton fils souhaite être candidat le moment venu. C'est ça. Que vous me soutenez, il m'a dit. Ah, d'accord. Alors, l'alchimie dont vous parlez, moi, j'étais à Parakou quand j'ai allumé ma télévision, j'ai vu mon cher papa dire que si les enfants ou les jeunes frères ne s'entendent pas,
eh bien, les grands frères pourraient prendre leurs responsabilités. Or, à aucun moment, le grand frère n'a pas encore joué le rôle de médiateur. C'est ça. Il devrait dire, j'ai joué le rôle de médiateur, mais les deux jeunes frères ne veulent pas s'entendre, je serai obligé de prendre mes responsabilités. Dès que j'ai entendu ça, j'ai fait mes analyses, j'ai dit, le sort est peut-être déjà scellé. C'est ça. Pour des raisons que je ne voudrais pas, je sais que, je ne veux pas les dire ici, mais... C'est ça. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, les autres, le désistement dont vous parlez, on ne peut pas... D'ailleurs, vous-même, vous venez de dire qu'ils ont choisi Djimba, ils ne m'ont pas choisi. Mais ce n'est pas au G10 de choisir le candidat. Ils m'ont appelé pour dire, il y a 5 candidats, ils disent non. Et les autres militants m'ont dit non, pas question qu'ils soient candidats. Très bien. Mais parmi les 5, là, nous, on désiste en faveur du doyen, de façon aussi systématique. Oui, c'est ça. J'ai dit, mais il y a problème. Encore que, et on me demande de signer un PV. Il dit, non, je ne peux pas signer un PV. Le PV servirait à quoi? Parce que ce n'est pas ça. Une instance qui est reconnue par le parti. Voilà, ça c'est le PV. À quoi vous servira un PV d'une telle réunion? J'ai dit, c'est ça. Possible. C'est ça. Bien. Encore que, comme vous le dites, on a déjà mis en place un comité chargé d'élaborer le critère. En fait, le comité ad hoc, c'est un comité chargé de la sélection du candidat. Mais avant qu'il ne procède à la sélection, il doit présenter à l'avance les critères devant lui servir de faire cette sélection. Absolument. Il y a une mauvaise lecture de l'article 57 de nos statuts. C'est ça. Une mauvaise lecture. C'est ça. Donc, la mauvaise lecture a consisté à dire non, le comité est chargé seulement d'élaborer les critères. C'est faux. Ah voilà, c'est une nuance. Voilà, insistez là-dessus, parce que là, nos investigations, c'est pratiquement vos alliés d'hier martèlent cela. Ils disent que ce n'est pas, un comité. Je leur dis toujours de lire. Je leur dis toujours. La différence, c'est que, comme je vous ai dit, c'est mon problème, comme je vous l'ai dit, j'ai touché à tout. Vous savez, en notre génération, on n'avait pas les moyens d'aller étudier à l'extérieur, mais quand on se sent un peu désœuvré, il n'y a pas du boulot, et qu'on a quelques compétences, si tu veux étudier, tu prends encore une filière, tu fais. Moi, j'ai fait. J'ai fait encore le droit, là. J'ai ma maîtrise en droit. Ouais, vous êtes juriste. Je dis de lire correctement l'article. Si vous prenez l'article, je pourrais vous fournir l'article. L'article dit, pour la sélection, pour opérer à la sélection du candidat à l'élection présidentielle, le bureau exécutif national met en place un comité ad hoc. Pour procéder à la sélection, le bureau met en place un comité ad hoc qui soumet à l'appréciation du bureau national les critères devant lui servir à faire cette sélection. C'est ce que l'article dit simplement. C'est ça. Ils sont venus me dire non. Ce qui est grave, c'est ceux qui sont chargés d'éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas fait le droit, qui ont semé la confusion. Ils ont semé la confusion. C'est ça. Et c'est ça qui a d'ailleurs amené l'avant-dernière session du bureau exécutif national, c'est-à-dire la session du 29 décembre dernier, a terminé en queue de poisson. Parce que quelqu'un qui est un homme de droit a dit que le comité ad hoc a outrepassé ses prérogatives. C'est ça. Or, ça n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Le comité était toujours dans ses prérogatives. C'est ça. Mais la discussion n'a pas permis de faire comprendre à ceux qui ne sont pas habitués peut-être à la lecture des textes ou des textes juridiques de comprendre l'esprit et la lettre de cet article. C'est moi, j'ai participé à l'élaboration de ces textes. De ces textes. Et je sais dans quel sens et quel est l'esprit qui guide cet article-là. C'est un comité ad hoc qui va jusqu'au bout, mais le comité doit recevoir les critères validés par le bureau national avant de faire son travail. C'est ça. Ça, c'est très bien dit. C'est cette lecture qu'il faut avoir de cet article-là. C'est ça. Contrairement à ce que les gens disent. Donc, comme il y a ce comité qui était là, moi, j'ai dit, vous ne pouvez pas désigner ici déjà les candidats. Le candidat, ils sont suppléants et abandonner le comité. C'est ça. Ils ont dit, bon, d'accord, on désigne, on dépose ça à côté et on va au comité et on fait semblant de respecter la procédure, mais c'est déjà désigné. C'est ça, je comprends. On ne peut pas jouer à ça. Je ne
pas à ces jeux-là. Je veux que la chose se passe conformément à nos textes. Voilà, si monsieur le ministre, mais si on respecte les procédures et que le vieux Djimba est désigné aujourd'hui comme le candidat à l'élection présidentielle, je serai le premier à soutenir sa candidature. Parce absolument, que on devrait respecter nos textes. Voilà, donc ça va, ça dit ce que nous assistons, le Dieu qui a été dévoilé au public, donc partant de cette démonstration et de cette analyse Limilet, donc c'est pratiquement pas du tout légitime. C'est, toute la question elle est là, ce n'est pas, ça n'a pas une légitimité. Le Dieu n'est pas légal, n'est pas légitime, parce que le Dieu était déjà désigné et on cherche maintenant à colmater les procédures et on fait ça encore mal. Donc, ce n'est pas légitime. C'est pourquoi je suis en train de le dire, ce que vous êtes en train de faire est illégal. Et c'est ce qui fait que je m'oppose à vous. C'est vous ça. Auriez pu obtenir le même résultat en respectant scrupuleusement les textes. Oh. Et en ce moment, vous m'auriez cloué le bec et je vais, en bon militant, respecter la décision du coup. Monsieur le ministre, une question pertinente, et ça émane d'un internaute tout de suite. Il dit d'accord qu'il vous a vraiment compris. Et il dit, mais si par exemple ce comité, ce groupe de 11, qui est pratiquement aucun statut, en tout cas du parti, ne réglemente, ne réside pas ce groupe. Donc, si par exemple c'était vous qui aviez été désigné par ce groupe, est-ce que vous allez pratiquement aujourd'hui prôner et marteler le caractère et la procédure du règlement du parti c'est une question, je pense qu'elle est quand même... Oui, parce que même avant, j'ai commencé par demander qu'on aille vers les instances du parti, avant même d'aborder la question du choix des candidats. C'est ça. J'ai commencé par là. Donc, ça veut dire que je n'allais même pas accepter qu'on me désigne dans ces conditions-là. Personnellement, je n'accepterais pas. C'est ça. Je dirais non. Si vous voulez que je sois vraiment le candidat du parti, allez vous soutenir au sein des instances du parti. Voilà, si parce vous que... voulez vraiment me soutenir, allez-y là-bas. Mais, et monsieur vous le ministre... soutenir là-bas, je suis élu, et puis c'est terminé. C'est ce qu'il fallait faire tout simplement. C'est ça. Pour que Yarou aujourd'hui ne soit pas perçu comme quelqu'un qui n'a pas été désigné, joue au mauvais président, il dénonce. Voilà. Je dénonce bien, je réclame la bonne gouvernance. Ça. Et je peux comprendre que ça fait partie des axes prioritaires du gouvernement de Talon, la bonne gouvernance. Et ça commence dans les petites instances déjà que nous gérons. Ce n'est pas quand on est au niveau du ministère ou au niveau du gouvernement qu'il faut prôner la bonne gouvernance. Il faut prôner la bonne gouvernance partout où nous sommes. Mais... Mais monsieur le ministre, on va revenir sur ça. On peut dire que c'est une contamination quand on sait que le pouvoir en place n'est pas d'une transparence comme elle l'aura toujours souhaité. Ça, ça peut être un autre débat. Mais ce que je veux appuyer, c'est quoi? Parce que ça, c'est extrêmement important, cette émission que nous sommes en train de faire. Parce que vous avez démontré, et moi, je vous le dis en tant que communicateur, nous avons fait des investigations avant cette émission. Et c'est vrai que le comité, le G11, n'a pas du tout, un statut, en tout cas légal selon statutaire. Et donc, c'est vrai par rapport, je confirme, tous vos propos confirment en tout cas cette investigation et ces informations que nous avons aussi à notre niveau. Et de ce fait, on peut dire que ce duo est pratiquement, en tout cas, par rapport au test du parti, c'est un duo pratiquement illégal, pas du tout légitime. Et, mais quand, dans mes investigations, ils m'ont dit, d'accord, c'est possible, c'est vrai, est-ce que c'est le G11 qui a décidé? Bon, ils ont eu deux arguments. Ils disent que ce comité n'est pas un comité, c'est un comité de définir les critères. Et donc, ça, c'est leur premier argument. Le second, je vais vous le dire, ils ont dit que M. Yarou a déjà anticipé et il a déposé sa candidature. Et comme colissier, M. Yarou a mentionné ou soit a écrit le nom d'un
certains M. Ayena comme colistier. Donc, et que c'est par rapport à ces deux, comment dirais-je, faits qu'ils disent que si vous martelez en disant que ce qu'ils ont fait, c'est un acte illégal, que vous avez aussi anticipé la chose en déposant votre candidature. Que répondez-vous à cette allégation? D'abord, à supposer que j'ai pris un colistier en dehors du G11. C'est ça. Il n'y a rien d'illégal par rapport à ça. Absolument. C'est ça. C'est ça. Mais ensuite, je voudrais dire que ce n'est pas sérieux de leur part. C'est ça. Et je regrette que certains parmi eux, me connaissant bien, soutiennent ça. C'est ça. Je ne fais jamais ça. C'est ça. Je ne fais jamais ce qu'ils ont dit. C'est ça. Ensuite, c'est que M. Fataï, moi je ne connais pas son nom à Yéna, mais c'est Fataï. Oui. M. Fataï, si je vous dis que jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne l'ai jamais rencontré encore, il ne m'a jamais dit qu'il est candidat, vous n'allez pas me croire. Ouais. Il ne m'a jamais dit, j'ai vu l'annonce de sa candidature dans les réseaux sociaux. C'est ça. Et puis j'ai interpellé un cadre de la localité, j'ai dit, mais est-ce que ce que j'ai vu dans les réseaux est vrai? Il me dit, oui, nous nous sommes réunis dans les plateaux et nous avons pensé qu'il faut présenter un candidat du côté du plateau. C'est ça, c'est ça. Et c'est M. Ayede. Il dit, bah, c'est bien. Est-ce qu'il est policier de Yarou, de Hunkwe, de Dimba? Ce n'était pas leur problème. C'est ça. Et le cadre que j'ai interrogé ne m'a jamais dit que l'intéressé souhaite être mon colistier. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est des arguments qu'on a cherchés pour faire croire que j'ai violé peut-être à une règle de solidarité interne du groupe. Absolument, absolument. Je ne fais jamais ça, moi. Voilà. Je ne fais jamais ça. C'est même, j'ai appris ça. Et puis, ce qui est grave, quelqu'un qui est très proche de moi est allé dire ça chez moi. Je lui ai dit, mais et tu n'as pas eu au moins le courage de me demander pour savoir si c'est vrai ce que les gens disent, et tu viens ailleurs pour répéter cela. Il y a quelque part, je lui ai dit, il y a quelque part vraiment de la mauvaise intention derrière ça. C'est pour ça que nous avons Monsieur voulu Fataï, lever cet équivoque. C'est très important. Oui. C'est parce que M. Fataï a le droit de poser sa candidature, mais il ne m'a jamais demandé qui souhaite être. D'ailleurs, qui vous a dit que lui veut être colistier? Moi, ce n'est pas vrai. Je suis allé déposer ma candidature seul. C'est ça. Seul. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça, c'est extrêmement important parce que nous, comme vous le savez, au niveau de la diaspora et au niveau de la communication, nous voulons nous reposer sur le factuel et sur les tests pour quand même et essayer. Mieux, ce que je vais vous dire, mieux, c'est que la candidature de Fataï est intervenue après même la sélection du duo au sein du G10. C'est ça. C'est intervenu après. J'ai même appris pire que ça. Ah oui, c'est un milliardaire, il donne de l'argent à Yarou. Je dis, mais comment ça? Moi, je ne commande pas de l'argent auprès de quelqu'un. Ce que je gagne me suffit largement. Ce que je veux faire, je compte d'abord sur mes propres moyens avant de continuer de compter sur les moyens des autres. Donc, je ne sais pas si c'est un milliardaire, je ne connais pas, moi, je ne le connais pas. Donc, des choses horribles qu'on dit sur des gens sans vérification, je pense que quelque part, ce n'est pas bien pour l'image des cadres que nous sommes. Nous devons sortir de notre bouche ce que nous maîtrisons, ce que nous savons et ce que nous avons vu. Si vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas le droit vraiment. Absolument, absolument. Et je vous remercie vraiment pour lever vraiment ce coin d'ombre et qui vraiment est quelque chose. Parce que bon, on peut retenir vraiment deux points extrêmement importants. C'est que selon vous, le G10, et c'est vrai, n'a pas un statut pratiquement légal et c'est pratiquement un noyau. Et donc, les tests du parti recommandent que voilà, il faut repartir aux instances en ce qui concerne la désignation du candidat qui va porter le parti, ce qui n'a pas été fait. Donc, ce qui pose un problème de légitimité, et d'ailleurs, il y a une bonne partie des FCBE, dont Delor Faton, la ministre Gbediedi, tout ça, qui vous soutiennent. Donc, mais alors, dans ce qui apparaît comme
une déchirure, hein, quelqu'un allait dire, un chaos de ce parti. Quel est l'avenir de Paul Yaou et de FCBE? Est-ce que, voilà, M. Diemba aujourd'hui a été désigné et continue, M. Paul Yaou est pratiquement secrétaire, le sénat du parti est tout puissant. Et qu'est-ce qu'il y aura à l'avenir? Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que les FCBE iront aux élections? Vous serez candidat? Dites-nous ce qui va se passer. Bien, je ne suis pas devin. Vous m'excusez, je ne peux pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais je vais tout simplement quand même exprimer des inquiétudes par rapport vraiment à l'avenir. Donc, je ne peux pas savoir. Première chose, c'est l'attitude même de celui qui a été imposé. Moi, je ne dis pas désigné. Il est d'un certain âge. S'il était sage et compte tenu du rôle et de l'importance que je représente au sein de ce parti, il pouvait jouer autrement pour ne serait-ce que sauvegarder l'intégrité du parti. Unité. Malheureusement, je ne vois pas cela. C'est ça. Parce que lorsqu'on te désigne candidat du parti, si tu veux vraiment gagner les élections, tu ne peux pas te braquer contre un candidat aussi sérieux que moi dans ce parti. C'est ça, c'est ça. En principe. C'est d'ailleurs, nos textes ont prévu que lorsque c'est comme ça, il faut prévoir des compensations à celui qui est le texte. Les textes ont même dit. Mm-hmm. Mais les compensations, ce n'est pas des compensations financières. C'est l'implication de l'intéressé dans la suite de ce qui va être fait. Absolument. Mais si vous vous braquez, vous mettez en place tout un réseau pour le dénigrer, pour le vilipender, vous n'assurez pas l'avenir du parti. C'est ça. Ça, c'est déjà un mauvais départ pour sa propre candidature, si ça devrait être retenu en définitive. C'est ça. Deuxième inquiétude que je voudrais exprimer, et c'est pour ça que j'ai vraiment des inquiétudes, j'ai dit, c'est imposé. Si ce n'est pas imposé, une fois candidat, on ne joue plus aux gendarmes. Moi, j'ai vécu une scène horrible aujourd'hui à La Réunion. Sincèrement, je serais à sa place, j'aurais joué autrement. C'est ça. Pour regarder la cohésion du parti. Quelle est cette scène? Rappelez-nous cette scène. Non, je vais revenir sur ça. D'accord. Ensuite, quand vous êtes secrétaire exécutif national d'un parti politique, comme le FCBE, on ne dit pas dans certaines régions que moi je travaille pour que le pouvoir reste dans telle région. C'est ça, c'est ça. Lorsque j'ai entendu dire le secrétaire exécutif national de mon parti qu'il travaille pour que le pouvoir reste dans une région du parti, je dis l'avenir du parti est hypothéqué. Hypothéqué, d'accord. À moins que ceux qui le soutiennent aujourd'hui en prennent conscience. C'est ça. Parce que c'est des propos suffisamment graves. C'est ça. C'est des propos, d'ailleurs, ça fait partie des infractions qui sont même passibles d'exclusion. C'est ça. Mais qui sont commises aujourd'hui et personne ne s'inquiète de cela. Mais c'est ça. Donc, sur ces deux comportements des deux qui veulent nous représenter aujourd'hui comme candidats à l'élection présidentielle, pour moi, l'avenir du parti est hypothéqué. Même ceux qui les soutiennent aujourd'hui, qui pensent qu'il faut en finir peut-être avec Yaou parce qu'ils ont peut-être des problèmes particuliers avec Yaou. Quand, comme l'a dit l'autre, c'est comme le système de freinage d'un véhicule. Quand il va finir de bouffer les dix, voilà. C'est les dix même qui va voilà, commencer à bouffer. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que, même si on soutient quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire. C'est ça. Il faut avoir le courage de lui dire qu'on ne s'adresse pas d'une telle, de certaine manière à une autorité. C'est ça. Même si l'autorité aujourd'hui semble être dans une position de faiblesse, il faut faire attention à cela. Donc, ces propos-là, ou ces considérations me font craindre de l'avenir de ce parti-là. Mais et vous, mais en fait, moi, qu'est-ce qui... Comment? Parce que vous, en ce qui vous concerne, bon, vous êtes présidentiable. Et voilà le schéma. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai dit, personnellement,
je ne peux pas savoir. Je suis là. Je suis au service du peuple béninois. Si je peux jouer un rôle, si je peux jouer un rôle dans ce qui se passe aujourd'hui, pour que le Bénin connaisse une alternance dans ce pays, je jouerai. Mais je ne vais pas jouer un rôle où je sais que c'est déjà perdu d'avance. C'est ça. Je préfère faire une déclaration de soutien à l'adversaire que d'aller jouer un rôle pour lui faciliter de venir et tromper le peuple, faisant croire au peuple que je travaille pour mon propre compte. Ça, je ne ferai jamais. Voilà. Monsieur, vous avez chuté sur ma prochaine question. Alors, monsieur le ministre d'État, la plupart des Béninois, et ceci hein, dans sa quasi-totalité, parce que nous sommes sans langue de bois ici, continuent de croire que les FCBE sont le troisième parti du président Talon et que votre n'importe quelle participation, ou soit même la vôtre, et à cette élection est une stratégie pour valider, voire le légitimer. Autrement dit, n'importe quel candidat, en tout cas des FCBE, est aperçu comme un fait-valoir. Que répondez-vous à ces nombreux Béninois, monsieur le ministre? Ça, c'est une question cruciale, monsieur le ministre. J'ai déjà répondu à cette question d'une autre manière dans une autre émission. Dans ce contexte, c'est pour éviter que le peuple béninois continue de nous voir comme étant un parti de faire-valoir ou un troisième bloc du président Talon, que j'ai dit qu'il fallait s'abstenir de prendre part à ces élections si les conditions de parrainage sont maintenues. C'est ça. Si les conditions de parrainage sont maintenues. C'est ça. Je dis, je suis constant dans ma logique. Je suis pour le principe du parrainage. Je n'ai pas pu réunir les conditions du parrainage. Par conséquent, je ne peux pas participer aux élections. Si je participe aux élections dans ces conditions, avec des parrains que j'irai commander auprès de mon adversaire, le peuple aura bel et bien raison de nous traiter de tous les noms. Et c'est pour ça que je dis, si les conditions du parrainage doivent rester intactes, il vaut mieux pour le FCBE de s'abstenir, de ne pas prendre part à ces élections. Il ne faut pas aller à ces élections dans ces conditions. Mais si les conditions du parrainage sont telles que soit on l'annule, soit on fait des aménagements qui permettent à n'importe quel parti politique de pouvoir participer à ces élections, le FCBE peut participer aux élections. C'est ça. Voilà ce que j'ai dit. C'était incompris que j'ai dit que le FCBE ne doit pas aller aux élections. Non, j'ai dit si les conditions du parrainage sont maintenues telles qu'elles, il serait mieux pour nous de ne pas participer à ces élections, pour nous éviter encore ces injures que nous avons essuyées pendant plus d'un an aujourd'hui. C'est ça. J'ai dit, moi, mon nom a été vilipendé, on m'a insulté dans mon amour propre. Ça, c'est vrai. Je ne voudrais plus que ça continue. On dit souvent, même si j'arrive à justifier pourquoi j'avais posé certains actes, mais le résultat qui est, ce qui est retenu par l'opinion publique aujourd'hui, c'est que nous avons quelque part commis des erreurs. Absolument. Les erreurs, elles sont humaines. Mais persister dans l'erreur, là, je dirais que c'est diabolique. Merci. Arrête. Voilà. Non, vous avez raison et je suis très, 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 très en phase avec vous par rapport à cette modestie. Parce que, au fait, toujours, la préoccupation des internautes, ils ont dit, par exemple, on n'a jamais vu M. Yaou dénoncer le régime, dire le contraire, supporter le parrainage, les lois chrysogènes qui ont même extrapolé le mandat présidentiel de 45 jours. Quelle est votre lecture de ça? Je sais que vous avez déjà dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Bon, mais longtemps quand même, vous n'avez pas titillé de façon ferme le régime de la rupture. Pourquoi tout cela a été un silence? Parce que les gens veulent vous entendre. C'est tout simple. C'est par respect de ce qu'on appelle la discipline du groupe. C'est ça. Le G11, je suis dans le G10, devenu G11. Et dans ce G11, on nous dit, on ne doit pas dire. Si Yaro commence par dire, on dira, c'est encore Yaro, lui, encore Yaro. C'est ça. C'est parce que Yaro est ici. Mais sur la question du parrainage, j'ai été toujours constant. Je suis d'accord pour le principe.
C'est pas le parrainage, c'est pas le Bénin qui l'a inventé. Mm-hmm. Mais tel que aménagé dans notre loi constitutionnelle, mm-hmm. c'était quand même balisé. C'est on ça. A vu que c'est balisé. Mm-hmm. Mais au moment où nous allions aux élections communales, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas prévu que le parti allait être divisé. Absolument. Il est à ces élections-là divisé. C'est ça. Et on savait que si le parti restait en entier, mm-hmm. il n'y avait pas de raison pour que FCTBE originel ne puisse pas obtenir le nombre de parrainages qu'il fallait. Donc, c'est nous, ça. On était sûrs de pouvoir l'obtenir et c'est de ça. Participer à ces élections. C'est ça. C'est malheureusement, ça. Un, il y a eu la fissure. Deux, même le gouvernement qui a instauré le parrainage, au cours du jeu, il a y a eu une modification des règles du jeu. Voilà. Pour nous empêcher d'avoir le nombre de parrains qu'il fallait. C'est ça. Tout ça, moi, de mon point de vue, du point de vue d'analyse d'un homme politique de l'opposition, mm-hmm. la loi interprétative, c'était une loi pour nous empêcher d'avoir mm-hmm. le nombre de parrains qu'il fallait. C'est ça. À partir de ce moment, je constate que l'application de ce que j'ai accepté comme principe mm-hmm. est biaisée. C'est ça. Si c'est biaisé, j'évalue et je prends encore une autre décision. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est maintenu comme ça, on n'avance pas. C'est ça. On peut faire la lutte pour soutenir ceux qui veulent de son annulation parce que l'application elle a été mauvaise. Le résultat était aussi mauvais. Donc, par conséquent, il faut faire une évaluation et mettre ça de côté, ou en tout cas améliorer s'il fallait améliorer. Bon. Ça, et quelle appréciation sur la question de la prorogation du mandat. Voilà, c'est ça. La prorogation du mandat, je me suis prononcé. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été ventilé. Si vous voulez, je vais vous donner le texte, mais c'est un texte que j'avais écrit il y a de cela au moins 2 ou 3 semaines. Ah, d'accord. J'ai dit à titre personnel que je parle à mon nom personnel parce que au sein du parti, je vous ai dit la position, on ne veut pas se prononcer, on est resté flou dans nos positions. Ça. Mais j'ai dit que le mandat constitutionnel actuel prend fin le 5 avril 2021, à minuit. En principe que les élections, je demande au président Talon de tout faire pour organiser les élections avant cette date. Et j'ai même dit que, parce qu'ils ont dit que c'est pour assurer l'aliment des mandats. Oui, oui. J'ai dit, mais le principe de l'aliment ne peut pas primer sur le serment constitutionnel que le président a prêté. Le président a prêté un serment de 5 ans, et non de 5 ans, une journée. La preuve, quand nous, le président Yahi devait quitter le 5 avril, déjà, le 5 avril à minuit, on nous appelait de toutes parts. Même nos collaborateurs nous demandaient de quitter le bureau. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est le droit le plus absolu. Donc, par conséquent, ma position est claire. Je ne suis pas pour la prorogation du mandat. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est clair. Je pense que le Bénin tout entier... Voilà, absolument. Le Bénin tout entier vous entend. C'est ma position personnelle. Je ne parle pas de la position du parti. Et ça, je l'avais écrit, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas parti, parce que beaucoup m'ont fait ces remarques-là. J'ai dit, mais comment, j'ai quand même dit que je ne suis pas pour la prorogation du mandat, pour les raisons, même que, avant même que le professeur Olo et les spécialistes en la matière ne se prononcent. C'est ça. J'avais déjà dit, ce n'était pas normal. C'est ça. Voilà. Et la position du parti par rapport à ça, et je pense que leur position est claire. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tellement on est pressé d'avoir un duo, d'aller aux élections, qu'on ne s'occupe pas des questions de prorogation, etc. Donc, peut-être ça fait partie aussi de la stratégie du pouvoir qui se dirait, bon, même si on prorogue de quelques jours, si les gens sont occupés à préparer les élections, ils ne feront peut-être pas attention à cette prorogation. Peut-être la preuve est que le parti aujourd'hui n'a pas le temps de réfléchir sur cette question-là d'abord. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que face à cette décision, parce qu'on sait qu'il y a eu de l'argent, le financement des partis, et si, par exemple, il n'y a pas, le parti FCBE ne revenait pas sur, en tout cas, sa position, parce que là, face à ce duo qui n'est pas du tout accepté par la majorité des FCBE, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, est-ce que vous pensez que vous aurez un recours et comment ça va se passer? Parce que si on avance dans une hypothèse A, il faut aussi considérer l'hypothèse B, parce que là, nous sommes à quelques semaines
disons, ouais, non, à quelques jours hein, you know, du dépôt des candidatures, c'est entre le 1er et le 4 avril, et le 4 février. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que là, il y a pratiquement une violation hein, de vos tests, et il y a pratiquement division. Ce que nous sommes en train de dire, nous l'avons recueilli hein, des militants FCBE à la base qui disent non, nous ne sommes pas du tout en phase avec ce qui se passe au niveau de ce groupe amené par Rumpé et d'autres. Et que effectivement, nous ne voulons pas rester dans cette peau de G11. Voici les tests. Donc, les tests, nous, à la base, on n'a pas été associés. Ils n'ont pas par rapport à une quelconque désignation. Donc, on vient nous balancer, comme tout le monde, ce duo Djemba et Rumpé. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le même temps, le peuple béninois est inquiet parce que Rumpé détient pratiquement tout. C'est lui qui peut aller prendre de l'argent, hein, c'est lui qui peut décider, c'est lui qui peut signer. Mais on est où là? Votre réaction par rapport à ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'aura plus trop le temps hein, de passer cette information dans le Bénin profond parce que nous sommes à quelques jours du dépôt des candidatures. Je vois deux aspects dans votre préoccupation. Le premier aspect, c'est est-ce que nous pouvons maintenir notre éligibilité au financement public? Absolument. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'en allant à ces élections, nous n'allons pas tomber en dessous des 10% et perdre l'éligibilité au financement public? Absolument. Sur cette question, je ne sais pas je n'ai pas exactement ce que prévoit la loi, mais en principe, lorsque en 2021, notre parti tombe en dessous de 10%, c'est que c'est la valeur intrinsèque du parti doit être révélée par le résultat ou le score qu'on aurait fait en 2021. C'est ça. Donc, c'est ça que normalement le législateur doit considérer pour dire non, ils étaient bien sûr à 15% il y a un an, mais aujourd'hui ils ne sont plus à 15%, ils sont à 5%. Donc, ils perdent le financement. C'est ça. En 2023, si on remonte, on revient sur le financement. En principe, c'est comme ça que je vois. Je ne sais pas comment c'est aménagé. C'est ça. Parce que je compare ça à un parti, par exemple, comment un parti peut perdre maintenant, par exemple, le financement. Est-ce que c'est deux élections consécutives s'il n'a pas les 10% ou bien c'est les élections les plus récentes, c'est-à-dire les précédentes élections. Les élections qui sont prises en compte dans le calcul du financement. Si c'est ça, c'est que nous pouvons perdre. Nous courons le risque de perdre le financement. Ça, il faut le reconnaître. Parce que ceux qui sont candidats, j'ai l'impression qu'ils s'en réjouissent tellement qu'ils oublient que c'est un travail qu'ils doivent faire. Et pour faire ce travail, ils ont besoin de tout le monde. Ils oublient. Deux, c'est que nous disons, si les textes ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas donner notre caution à ce qui est en train de se faire. Si nous abstenons de fournir les efforts, ça va aussi jouer sur la performance du parti. Donc, la probabilité qu'on perde le financement est assez grande. Maintenant, le second aspect, c'est la gestion actuelle de ce que nous avons. C'est ça. En principe, dans nos tests, il est dit qu'une fois désigné candidat à l'élection présidentielle, vous quittez l'exercice de la fonction que vous occupez au sein du parti. Donc, le SEN, étant colistier de Djemba, normalement, à partir d'aujourd'hui, ils ont validé le duo. Il ne peut plus signer quoi que ce soit. C'est celui qui... Les têtes disent que c'est son adjoint qui le remplace immédiatement. C'est ça. Hein? S'il signe, moi, je vais écrire à la Sénat, lui montrer les dispositions de nos tests pour dire qu'à partir du 28 janvier, le SEN ne peut plus signer un chèque au nom du parti. Je vais aussi demander à la banque d'envoyer les tests du parti à la banque et au trésor. C'est ça. En principe, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Bon. C'est ça. Maintenant, est-ce c'est que ça. Les gens sont décidés à respecter? Parce que jusque-là, c'est des gens qui n'ont jamais voulu respecter quoi que ce soit. Mais c'est qu'en matière de gestion financière, ça peut vraiment l'amener loin. Et il devra faire attention, même s'il a la couverture,
il doit faire attention à cette couverture parce qu'elle ne pourra pas tenir trop longtemps. Monsieur, ça, c'est, je pense que c'est un détail important. Est-ce que vous pensez que il y a une main derrière, c'est-à-dire du pouvoir talent dans ce choix? Parce que, bon, si on revient à la stratégie de faire valoir, de légitimer, donc c'est pratiquement, il n'y a rien là, comme le disent les Ivoiriens, c'est maïs. Donc, pourquoi ne pas cautionner ça et mettre la finance dans leurs mains? Donc, c'est de la politique. Et, en tout cas, le peuple béninois, c'est ce mindset que, ici à la diaspora, et nous, on dit, bon voilà, que c'est un duo de faire valoir. Et donc, s'il y a ça, ça veut dire que tout l'effort que vous, légitime que vous allez faire, ça sera pratiquement vain. De toute façon, si j'étais à leur place, je travaillerais à rassurer tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que les membres du G10 puissent me rassurer. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent me convaincre de quoi que ce soit. Mais je ne dis pas, je ne voudrais pas dire ici qu'il y a une main invisible derrière. Mais je pense que pour les raisons, je l'ai dit plusieurs fois au cours de plusieurs réunions, respecter les thèses, retourner aux instances du parti, cela n'a pas été fait. Même si c'est fait, ça a été mal fait. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, par conséquent, je pense là maintenant que ils doivent, si éventuellement, comme vous le dites, s'ils doivent recevoir de l'argent de quelque part, peut-être ils ne vont pas mettre dans les caisses du parti. Mais ça aussi, ils doivent présenter un compte à la Cour des comptes. C'est ça. Je ne sais pas si la Cour est déjà en vigueur, mais au moins à la Chambre des comptes, ils doivent présenter un bilan de campagne. Donc, les comptes de campagne doivent être déposés là-bas. Et quand c'est déposé là-bas, n'importe quel citoyen peut en disposer. C'est ça. Si c'est déjà fait, vous pouvez aller vérifier si les comptes vraiment ont été déposés, si c'est bien fait, etc. Donc, nous saurons de toute manière ce qui a été dépensé. Mais et la base et la base, le ressentiment de la base dans tout ça? Mais la base, là, aujourd'hui, elle est déboussolée. C'est ça. La base ne comprend pas ce qui se passe. Absolument. La base est déboussolée. C'est pourquoi je dis, si j'étais à leur place, je travaillerais à rassurer. Parce que ce parti-là n'appartient pas à Paul Rupert. Ça n'appartient pas à Yarou. Absolument. Ça n'appartient pas à Diba. Ça nous appartient à nous tous. Ça nous appartient à nous tous. Donc, ils doivent le savoir. Aujourd'hui, ils l'utilisent comme si c'était un bien privé, on peut prendre une sanction comme même là, l'émission que je suis en train de faire. Bon, demain, la sanction tombera que Yarou a été suspendu. Absolument. De ses fonctions, etc. Mais, vous voyez, ça, c'est pas un parti politique. Ça ne fonctionne jamais comme ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà, je pense que c'est ce que je pense par rapport à votre question. Voilà. Je pense qu'il doit peut-être prendre des précautions. C'est ça. Et je pense que nous cheminons vers la fin de cette émission. Une question, êtes-vous prêt à faire la paix aujourd'hui et à rejoindre votre ancien patron, le président Yahi Boni, au sein des démocrates et de la plateforme de l'opposition pour, en tout cas, un front uni contre le pouvoir talon, puisque aujourd'hui, nous avons vraiment su, on a fait pratiquement la lecture de votre vision et de ce que vous défendez, qui n'est pas du tout loin de la plateforme de l'opposition. Donc moi, en ce moment, bon, je me suis dit que, bon, est-ce que dans tout cela-là, est-ce que ce n'est pas grand temps, monsieur le ministre, de faire quand même la paix avec ce grand homme Boni Yahi qui fut vraiment votre chef? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que le président Boni Yahi, c'est un grand frère, c'est un papa, c'est un frère. Personnellement, je suis un homme de paix. Comme je vous l'ai dit au début de cette émission, je ne suis pas un homme de rancune. C'est ça. Je suis prêt à faire la paix avec n'importe qui. C'est ça. Parce que si vous n'arrivez pas à faire la paix avec les autres, vous ne pouvez pas faire la paix avec vous-même. C'est ça. Et si j'ai décidé, si j'ai accompagné, si j'avais décidé de sortir de la résistance, vous vous rappelez, quand j'ai fait cette déclaration, j'ai dit,
Nous ne sommes plus de la résistance. C'est justement parce que je voulais que les actions de la résistance ou les stratégies de la résistance soient plus orientées vers les actions qui préservent la vie humaine. C'est ça, la ne paix. Ne mettent pas en danger la vie humaine, c'est pour ça. Et cela a été interprété comme si j'avais aidé le pouvoir à ramener la paix dans le pays. C'est vrai. J'ai dit, si ce que j'ai fait a contribué à ramener la paix, je m'en réjouis. Mais cela ne voudrait pas dire que je suis d'accord avec ceux qui sont à la base de la violence. C'est ça. Que ça soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition. C'est ça. Alors, donc, par conséquent, ce qui, je ne sais pas, a priori, ce qui pourrait être la raison de ce qui a de la séparation entre le président Boni et moi, n'est pas de nature à nous mettre en inimité éternelle. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est un parent. C'est ça. Donc, ça, même avec le président Talon, je n'ai aucun problème avec le président Talon. Donc, si je n'ai pas de problème avec le président Talon, je n'ai pas de problème avec mon patron. Et je n'oublie pas que c'est lui qui m'a nommé ministre. C'est ça. Donc, ça va rester gravé toute ma vie. Même après ma vie, on dira le ministre Yarou. Et ça va être grâce à lui. Même si c'est en politique, c'est ça. C'est aussi parfois du donnant-donnant. C'est ça. Donc, je n'ai pas de problème à faire la paix avec qui que ce soit, c'est ça. Y compris avec le président. Maintenant, j'avais déjà dénoncé le fait que le Front s'est constitué sans nous. C'est ça. Parce que j'ai estimé que nous sommes les premiers à faire notre déclaration d'appartenance à l'opposition. C'est ça. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas changé d'option. C'est ça. Si on n'a pas changé d'option, je pense qu'il fallait que le Front nous invite. Si on refusait d'y aller, eh bien, ils auraient des raisons de croire que nous ne sommes plus de l'opposition. Et même à l'interne, ça poserait un problème parce qu'à l'interne, à l'intérieur du parti, il y a des gens qui veulent rester opposants jusqu'à la fin. C'est ça. Et il y en a peut-être qui ne veulent pas être opposants et qui veulent peut-être être plus proches du pouvoir. Du pouvoir, donc, c'est vrai. Mais le principe aurait pu être qu'on nous invite au front. Si on nous invite au front, malheureusement, nous sommes dans une situation de crise. Moi, j'allais me battre pour que notre parti soit membre du front. C'est ça. Mais à condition que certaines valeurs soient respectées. C'est ça. De même, du côté du front, les gens vont nous dire, bon, si vous continuez de soutenir le parrainage, bon, nous, on ne peut pas travailler avec vous si vous soutenez la prorogation. Donc, cela devrait nous amener à clarifier notre position sur cette différente question-là. C'est ça. Et on aurait réglé le problème. Donc, pour moi, la paix, je la veux avec tout le monde, mais ce que je veux, c'est de me clocharder, de me rendre dépendant de quelqu'un, de ne plus être moi-même, de décider parce que l'autre me dit de décider, de faire. Donc, par conséquent, moi, je veux la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Je veux avoir ma propre conscience à moi et ne travailler sur la conscience de quelqu'un d'autre. Donc, oui. C'est tout. Voilà. Mais ça, c'est bien dit. Hein. C'est sûr que le président Boni Yayi nous suit. Et donc, je pense que... Et c'est bien dit. Mais une dernière question, c'est que cette méfiance du fait que le Front ne vous a pas approché, est-ce que vous pensez que c'est par rapport à un passé hein, ou comme on l'a dit ici, est-ce que c'est, ça peut justifier ça? Ça dit, j'ai parlé du troisième bloc... du président Talon, ou simplement, comme le dit bon nombre de Béninois, pratiquement c'est le président et Talon qui a manipulé, et vous allez m'excuser et mon expression, tout le monde, et qui a quand même eu le génie politique, quelqu'un d'autre dira que c'est machiavélique, mais quand même de diviser, de faire voler en éclats, you know, ce parti à cause de Boni Yayi. Est-ce que ce n'est pas pratiquement la victoire you know, personnelle hein, de Patrice Talon, cette déconfiture you know, en ce qui concerne les FCBE aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment cette conclusion et vraiment grandir et voir le futur autrement? Parce que quand même, c'est les faits. Nous avons été témoins de plusieurs choses. Monsieur Yé. C'est vrai. D'abord, je voudrais vous dire
Je peux aller? Oui, allez-y. Voilà. Je voudrais dire que tous les chefs d'État ont utilisé presque les mêmes méthodes de division pour régner. C'est ça, c'est ça. Tous, merci. Autant qu'ils sont. Tous. Merci. Maintenant, si nous, nous savons cela, si nous, nous avons occupé des fonctions aussi importantes, nous savons ça. Si nous nous laissons diviser, ça pose un problème. Si nous nous laissons diviser comme des novices, ça pose vraiment un problème. Ça, c'est vrai. Donc, le président Talon peut s'enregistrer pour dire, j'ai quand même pu les diviser. C'est normal. Mais est-ce que nous, nous sommes capables de maintenir notre unité? C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Alors, donc, c'est ça. Par conséquent, il faut savoir que le président Talon ne va pas cesser de diviser. Absolument. Parce que si c'est par ce moyen-là, par ce moyen-là, qui peut, disons, assurer sa stabilité et son retour au pouvoir, il le fera. Maintenant, par rapport à la considération que les gens, la méfiance que les gens ont de nous en nous traitant de troisième bloc, c'est justement pour ça que nous adoptons avec les collègues la position qui est la nôtre aujourd'hui au sein du parti. C'est ça. Nous, on nous a traités de troisième bloc. Nous sommes allés sur le terrain devant nos militants et nous avons dit, nous n'avons jamais été troisième bloc. C'est ça. Nous ne sommes pas troisième bloc. Nous ne serons pas troisième bloc sans vous avoir consulté au préalable. C'est ça. Et maintenant, les faits démontrent que nous sommes en train de tendre vers le troisième bloc. C'est ça. Dit, moi, je ne pourrais pas aller sur le terrain et travailler dans ces conditions-là où tout le monde voit que cette fois-ci-là, c'est le troisième bloc. Je ne peux pas aller. Je préfère, et j'ai dit au cours d'une réunion, si vous voulez qu'on aille soutenir le président Talon, faisons une déclaration officielle pour dire au peuple béninois qu'à partir de ce jour, FCBE devient un troisième bloc. C'est ça, ça. Je peux aller défendre ça. C'est ça. C'est ça. Mais je ne peux pas aller sur le terrain et dire que nous ne sommes pas troisième bloc. Et puis, bon, les conditions de désignation sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est ça. Alors, donc, par conséquent, c'est ce que j'ai dit. Alors, je préfère dire la vérité. Si les militants, c'est tant mieux, on évolue. Mais je ne peux pas aller mentir aux militants. Là, ça va être la pire des trahisons qu'on aurait commises en trahissant le peuple béninois. C'est parce ça. Que ça va nous rester sur la conscience jusqu'à la fin de nos jours. Et je ne voudrais vraiment pas supporter ce poids-là. Monsieur le ministre mais d'État. Je suis là aujourd'hui. Oui. Monsieur le ministre d'État, Patrice Talon est candidat, il a confirmé. Quelle appréciation faites-vous de cette candidature? Alors que il a prêté serment. Je ne vais pas rentrer dans les. Oui, je ne vais pas rentrer dans les polémiques de ça parce que tout le peuple béninois, chacun se fait son idée hein, de cette candidature aujourd'hui, malgré les déclarations faite par l'intéressé lui-même à la prise du pouvoir, mais puisque ce n'est écrit nulle part, la loi n'interdit pas cela, il peut se présenter. Mais quelle est l'organisation que nous lui présentons en face pour empêcher son retour au pouvoir? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Moi, je préfère m'occuper de ça que de me préoccuper de son refus d'honorer sa parole ou quelque chose comme ça. Non, c'est tout. C'est ce que je vois. Donc, je ne veux pas vraiment rentrer dans la polémique par rapport à cette candidature. Mais vous pensez, si par exemple, pas extraordinaire, vos adversaires d'en face reviennent et reprennent la désignation dans les règles de l'art, avant le 4 février, pour quand même... rectifier ce qu'on appelle ce que nous voyons venir, c'est-à-dire le duo, le tandem Rumpé-Diemba, qui a violé pratiquement les tests sacro-saints du parti. Est-ce qu'on peut toujours espérer qu'ils reviennent à l'unité du parti dans cette procédure qui n'a pas été respecté pour la désignation du choix, parce que là, bon, on voit un opportunisme, hein, c'est clair, du vieux Diemba dans cette affaire, et on voit beaucoup d'intrigues politiques. Bon, on sait que les intrigues politiques existent partout, mais on peut, face maintenant,
statut de réfugié, oui. Ah, voilà, face à la réelle politique, bon, on peut dire que on peut toujours espérer, you know, jusqu'à la semaine prochaine. Donc, parce que une des informations que nous avons eues, c'est que bon, on a dit que bon, même si Yarou face à ce problème, bon, Yarou candidat n'a qu'à aller nous ramener, comment dirais-je, les parrains, M. Diemba, aller ramener, you know, les parrains, M. Yarou. Et vous avez opposé pour dire non, que ces parrains doivent, you know, arriver sous le statut du parti. Pas, il ne s'agirait pas, you know, de parrains individuels. Nous avons eu cette information. Et donc, et si ils reviennent, you know, à d'autres sentiments qui unifient beaucoup plus le parti, est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir dans ce principe de désignation que vous défendez, le respect des, you know, des tests? Merci. Je ne pense pas qu'ils aient le temps pour respecter maintenant les procédures. Mais s'ils peuvent le faire et peuvent aboutir au même résultat, nous allons accepter. Mais ils n'auront plus le temps de le faire. C'est ça, c'est ça. Mais par rapport à ça, je pense que je peux parler à titre personnel d'abord et même peut-être au nom de ceux qui me soutiennent dans cette lutte-là. Je pense que nous allons les laisser faire. Nous n'allons pas nous associer à cela. C'est ça. Mais nous ne quitterons pas le parti. Et puis, à la fin, on fera le bilan. C'est ça. Ils vont c'est rendre ça. Compte de ce qui a été fait. Et on sera là pour apprécier le bilan de leur aventure. Et je pense qu'en ce moment-là, il va nous falloir un génie pour reconstruire le parti et redonner confiance à tout le monde que nous voulons rester dans ce parti. Et j'en profite pour répondre dans votre précédente question, quand vous me demandiez si je suis prêt ou si j'étais prêt à faire la paix avec Yahya Boni et retourner et aller dans le parti des démocrates, j'ai répondu pour la paix. Mais je n'ai pas répondu pour mon retour éventuel ou bien pour mon adhésion éventuelle au parti des démocrates. Non, pour moi, pour l'instant, et ce n'est pas encore une question à l'ordre du jour, je ne crois pas. Mais on peut travailler. Puis, si nous avons la même vision, nous défendons la même cause, les démocrates et les CBE peuvent travailler la main dans la main pour que nous puissions réussir ensemble. Je ne suis pas obligé d'aller dans ce parti pour apporter ma contribution à la victoire de l'opposition. Donc ça, c'est ce que je pense. Donc, éventuellement reprendre une procédure. Ils ne sont même pas dans cette prédisposition-là. Ils sont assez forts là aujourd'hui, vous comprenez? Ils peuvent, ils sont forts, ils peuvent imposer tout ce qu'ils veulent aujourd'hui à tout le monde. Donc, ils ne vont même pas songer à ça. Mais ce que je souhaite vivement, c'est qu'ils songent à l'après. Parce que ils ont décidé de faire ce qu'ils sont en train de faire. On va les laisser faire. Nous n'allons pas nous associer à cela. Ça, c'est clair. Parce qu'on a dit, on n'était pas d'accord. C'est ça. Mais à la fin, on fera le bilan. Oui, mais monsieur Rumpé peut, comme vous l'avez dit, demain ou soit même ce soir, peut vous exclure du parti. Non, il ne peut pas m'exclure du parti. Bon, c'est vrai, hein, comme il prend les décisions comme de façon unilatérale. Il ne lit surtout pas beaucoup aussi. Mais les textes, il ne peut exclure personne. C'est ça. L'exclusion ne relève pas de, même pas du Bureau d'Écriture nationale. L'exclusion est de ressort du Congrès. Donc, vous ne pouvez pas exclure quelqu'un du parti. Donc, ça, ce n'est pas possible. Il peut me suspendre. Et ce qui est chose, même si les textes n'ont pas prévu, dans le droit administratif, il y a un délai de suspension maximal. On ne dépasse pas. Et je ne sais pas, il faut leur dire d'aller apprendre cela, de consulter un spécialiste pour qu'il lève les suspensions durant plus que les délais légaux. Voilà, on mentionne que vraiment que nous avons, il y a beaucoup d'internautes. On va prendre quand même un internaute pour le ministre Yarou. Je vous rappelle, oui. Monsieur l'internaute, soyez modéré dans vos propos.
Et donc, vous allez vous adresser quand même à une personnalité. Alors, vous avez l'antenne. Quel est votre nom et votre position, s'il vous plaît? Ah, Monsieur Bachabi, comment ça va? Je le sais et je le dirai dans tout le monde. Allez-y, Monsieur Biacha, Monsieur Bachabi. Merci. C'est ça. Merci. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci. C'est ça. Merci à vous. Allez-y. Aujourd'hui, si Talon lui tendait la main pour vraiment venir travailler avec lui, est-ce qu'il allait quitter le bord où il est aujourd'hui pour vraiment aider Talon? D'accord, c'est votre question. Voilà, voilà ma question. Alors, monsieur le ministre, vous avez l'antenne? Oui, non, merci beaucoup. Je voudrais le remercier également. J'ai apprécié son intervention. Je vais directement à la question. Vous savez, comme il a dit, la politique a des règles. Et les règles se fondent sur un certain nombre de principes. La gouvernance Talon, je vous ai dit tout à l'heure que le président Talon ne me pose aucun problème, moi personnellement. Mais la gouvernance qui est mise en place, si elle reste telle qu'elle, ou même si cette tendance-là s'accentuait, je ne pourrais pas être à l'aise à travailler avec le président. C'est ça. S'il change, et que son changement entre dans la logique de notre idéologie, de l'idéologie de notre parti, il n'est pas interdit que nous puissions rejoindre peut-être son action pour l'aider à travailler. Mais si je m'en tiens aujourd'hui à notre idéologie, nous sommes plus social, le président Talon est un peu plus libéral capitaliste, et puis aujourd'hui, si vous voyez comment il a présenté son bilan, il a mis l'accent sur les réalisations, etc., l'assainissement des finances publiques, mais n'a pratiquement rien dit du social. Vous voyez, n'a pratiquement rien dit du social. Ensuite, en dehors du social, le développement se repose sur des principes de gouvernance démocratique. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie est respectée dans notre pays? Il peut bien travailler aujourd'hui, mais si ce n'est pas soutenu par un environnement sain, un environnement de liberté, un environnement qui permet l'éclosion donc, des initiatives, ça va être une sorte d'effet de paille. On va voir des réalisations en quelques années, mais finalement, on ne retiendra rien parce que le comportement social n'a pas été modifié. C'est ça. Or, le développement, pour moi, c'est à la fois matériel, mais surtout
le développement est comportemental. Le développement est mental. Donc, sur cet aspect-là, où aujourd'hui je sens que la liberté n'est pas totale, ou même qu'il y a des restrictions de liberté, et franchement, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce que je reproche à la gouvernance du président Talon. C'est ça. Maintenant, j'ai lancé un combat, j'ai dit je suis de l'opposition. Et c'est ce que je demande à mes collègues. Nous avons dit que nous sommes de l'opposition. Si nous sommes de l'opposition, nous devons nous comporter comme tels. Mais on ne peut pas être de l'opposition et en même temps être de la mouvance. Il vaut mieux se déterminer. Si les militants à la base, par le biais du Congrès, nous font la recommandation d'aller vers le gouvernement du président Talon, eh bien, je sais que c'est la ligne politique du parti qui a changé et qui m'amène à aller dans le gouvernement du Talon ou bien travailler avec le président Talon. Mais à l'étape actuelle des choses, je ne crois pas que la chose soit possible. Même si on m'offrait cela, je refuserais si les conditions devraient être ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que je ne peux pas accepter travailler aujourd'hui en sachant qu'il y a des amis qui sont en exil, il y a des amis qui sont en prison, il y a des amis qui n'ont plus de boulot, il y a des amis, etc., etc. Alors que avec ces mêmes amis, nous avons dénoncé un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été réglées. C'est ça. Si c'est réglé, on pourra aviser. Donc voilà ce que je peux répondre à mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que nous tirons à la fin de cette. Il y a encore un internaute en ligne qui me demande, mais monsieur le ministre, comment est-ce que les FCBE vont compléter le nombre de parrains? Est-ce que ça viendra du côté du BA ou ça viendra du côté de l'UP, ou soit ça sera marchandé, puisque vous avez posé, dit, parler de conditionnalité, et les gens ne croient pas. Les gens croient que ces parrains sont pratiquement ça dit c'est du chantage, et bon voilà, vous faites le jeu, voilà, on sait que vous allez en candidature de faire valoir, bon, et on voit quand même, on vous rejoint, qu'il y a une impossibilité mathématique de justifier les parrains. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je ne me suis pas gêné pour aller vers une négociation avec les partis du bloc présidentiel. Ah, d'accord. Parce que j'ai dit, ça doit être une affaire du parti. Et ensuite, j'ai dit, moi, personnellement, même si je vais aller aux élections présidentielles, il faut que les conditions de parrainage soient revues. J'avais participé jusqu'à une étape, quand on était toujours ensemble, avant même que les critères, les candidatures ne soient lancées. Et j'ai dit qu'il faut rendre compte de ça d'abord. C'est ça. Les autres ont continué, mais avec qui, je n'en sais rien. Donc peut-être que Paul Juncker pourra répondre mieux à cette question. Moi, je n'en sais rien. Donc vous êtes sûr que c'est clair, ce duo est maintenu, ils vont déposer leur candidature à la Sénat, et donc ça veut dire qu'ils ont déjà eu les 16 parrains, c'est ça? Ah ben, ou soit vous n'êtes pas dans le secret de... C'est possible, puisqu'ils nous ont dit hier, qu'ils se sont retrouvés pour vérifier ceux qui ont pu avoir le parrainage. Bon, ils ont constaté que nous, on n'en a pas eu, mais comment ils ont su que nous, on n'en a pas eu, je n'en sais rien. Ils ont estimé que nous, on n'a pas eu de parrainage, mais qu'eux, ils ont eu de parrainage. Et c'est sur cette base qu'ils ont dit, bon, c'est le Dieu-là qui va aux élections. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blocs peuvent désigner n'importe quel candidat à notre sein, lui donner le parrainage. Absolument, c'est ça. Le donner aux autres, c'est ça. Et au lieu de donner aux autres, on dit que c'est eux qui sont candidats, et puis on nous impose ça. Absolument. Et c'est ça la préoccupation des internautes. Ça dit, et ça revient, caractérisation de faire valoir et que nous avons... Voilà. C'est pourquoi nous, on a insisté que le Dieu soit choisi avant même d'aller négocier le parrainage. Mais malheureusement,
Notre voix n'est pas très audible en ce moment. C'est ça. Alors, c'est la fin de cette émission. Et vraiment, c'est la fin de cette émission. Et vraiment, le peuple béninois, la diaspora, l'a vu, l'a entendu. Et vraiment, pour près de 2 heures de temps, c'est le ministre, l'ancien ministre d'État chargé de la défense de Thomas Boni Yayi. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, le ministre Théophile Yarou, qui, en tout cas, c'est sûr, a étonné plusieurs internautes, en particulier le Bénin profond. Nous avons pratiquement vu l'homme, nous l'avons entendu, nous l'avons découvert. Voilà, nous retenons que M. Théophile Yarou n'est pas du tout en synergie avec ses anciens compagnons d'hier. Il dit qu'il sera dans le parti et il va lutter pour le rétablissement, en tout cas, de la démocratie au sein de cette formation, que les principes sacro-saints ont été violés et que la présentation voit ce qu'il a appelé imposer ce duo, et j'allais dire Djemba Houpé, est pratiquement une imposition au parti qui viole tous les principes de désignation, toute la procédure et les instances au niveau de la base n'ont pas été mêlées à ce choix. Par contre, il justifie et que c'est pratiquement illégitime et illégal. Donc voilà ce qui replonge en tout cas la saga des FCBE, une saga qu'on croyait et fini et enterré, mais voilà ce qui redonne pratiquement une autre saga. Peut-être cette fois-ci, elle peut être une saga à la salsa ou pratiquement à la reggae, on ne sait pas. En tout cas, demain, nous dira beaucoup plus. Mais ce qu'il faut retenir, nous avons vu un homme très pondéré, nous avons vu quand même un homme pratiquement, comme on le dit en anglais, présidential, et quand même un leader, quelqu'un très avéré des questions politiques. Voilà, il a contribué à beaucoup de choses. Il a désigné celui que vous connaissez, qui est aujourd'hui le secrétaire exécutif, Monsieur Lectu, en tout cas Paul Rumpé, parce qu'il s'est révélé comme ça aux Béninois. Aujourd'hui, il est tout puissant. Voilà, on dit souvent que le puissant n'est pas toujours puissant, au moment donné. L'histoire va nous le dire. En tout cas, nous étions ravis de cet entretien. Monsieur Yarou a été vraiment sa langue de bois et je pense qu'il a été sincère et dans tout ce qu'il a dit. En tout cas, il n'a pas été politique. Je n'ai pas vu vraiment le politique. Il a voulu quand même que le peuple béninois puisse savoir ce qu'il est et je pense que à ce test, il a réussi à cette mission. C'est la fin de cette émission que nous remercions vraiment Monsieur le ministre pour nous avoir accordé son temps. Et merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez-y. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. C'est sûr que vos vis-à-vis d'hier vont vouloir et revenir. La contradiction, elle est permise. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, nous sommes ouverts. Merci et bonne chance, Monsieur le ministre d'État. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines, à un prix imbattable. À un prix imbattable, tenez-vous bien, $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612
804-02-95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion donc. $185 pour toute une année, pour 12 mois inclus le box. Quoi de mieux que ça? My whole life, my father told me stories about moving to the United States. He would tell me that his brother, my Uncle George, was already living here and let my father stay with him for a while. Through my Uncle George, my father was introduced to our cultural organization here in America, who helped him make connections, apply for college, find his first job, and adjust to life in a completely different culture than he was used to. The cultural association helped him get started on his new life. My Uncle George would bring my father with him to the annual Summer Cultural Groups Festival, and later, he would bring me. It was incredible to see so many people of all ages laughing and celebrating with food and song and dance. It brought back the best feelings of home and gave my father the opportunity to pass his culture, language, and values on to me. My father and Uncle George were very close. So when George died last year, my father wanted to honor his wishes to be buried with a traditional ceremony back at his birthplace. My father told me that because Uncle George had cultural group life insurance, he was able to afford to bring George home and have the traditional burial George wanted. Though my father had been able to honor my Uncle George's wishes, it got me thinking about my own family. One day, I'd have to make the same arrangements for my own parents and my wife's parents as well. Of course, we would want to bring them home and honor their wishes, but it would be a financial hardship for our family. There were a lot of things to think about, even though I really didn't want to think about them at all. When my father told me about cultural group life insurance, he told me it's intended to help families when they need it the most. It's not tied to an employer. So no matter where my career takes me, I'll always have coverage. The more people who participate and the younger they are, the more it helps keep the insurance premiums down for the entire association. Because my parents have cultural group term life insurance, there will be money available to help me provide the kind of service I want to give my parents. And by joining, I can put my mind at ease and continue to celebrate our traditions into the future. With cultural group life insurance, I can worry less and spend more of my time celebrating with the people who matter most to me.